une raison logique. Le prince George, âgé de 7 ans, et sa sœur, la princesse Charlotte, 6 ans, sont scolarisés dans l'établissement privé de Thomas Battersea, dans le sud-ouest de Londres. Il s'agit d'une école renommée, pour laquelle le prince William et Kate Middleton déboursent pas moins de 7 400 € de frais de scolarité par trimestre, sans compter les frais pour l'uniforme réglementaire. De plus, celle-ci prône une éducation positive et bienveillante et a même pour devise « Be kind ». Toutefois, si les enfants du couple royal suivent un parcours éducatif tout ce qu'il y a de plus normal, il y a une exception. En effet, selon les informations publiées par Cosmopolitan en mars dernier, tous deux ne sont pas autorisés à avoir de meilleurs amis dans l'enceinte de l'école. Une révélation étrange mais qui est, en réalité, tout à fait logique. L'école n'encourage pas à avoir de meilleurs amis et se concentre sur la gentillesse, a d'abord indiqué Jane Moore à The Mirror. La journaliste précise ensuite qu'il existe une politique selon laquelle si votre enfant organise une fête, à moins que tous les enfants de la classe ne soient invités, vous ne distribuez pas les invitations en classe. Il s'agit ainsi d'un moyen pour tous les enfants de ne pas se sentir exclus et de profiter pleinement de leur scolarité, aux côtés de leurs camarades. Le prince George va à l'école comme tous les enfants de son âge et il a dû choisir une option à étudier. Ainsi, en plus des mathématiques, de l'anglais ou des sciences, le jeune prince a opté pour des cours de ballet. Si celle-ci peut paraître surprenante au premier abord, Paris Match a affirmé, il y a quelques jours, que le fils de Kate Middleton est assez doué dans ce domaine. En effet, ses talents sportifs lui ont permis de se faire de nombreux amis et d'être pleinement épanoui. Il ne bénéficie pas d'un traitement de faveur et est traité sur le même pied d'égalité que ses camarades. Une initiative qui lui permet d'être bien entouré, malgré la notoriété qu'il possède depuis sa naissance puisqu'il fait partie de la famille royale. Selon le média, certains de ses amis le surnomment PG, pour Prince George. D'autres vont même jusqu'à l'appeler PG Tips, qui fait référence à une marque anglaise de sachets de thé. Nul doute que le fils du prince William a rapidement réussi à se faire une place dans son école. De plus, il peut compter sur le soutien de sa sœur, la princesse Charlotte, qui a rejoint l'établissement en 2019. Prince Louis, où sera-t-il scolarisé? Alors que le prince George et la princesse Charlotte semblent épanouis dans la Thomas Battersea School, nul doute que le prince William et son épouse opteront pour le même établissement pour leur troisième enfant. En effet, cette école accueille des élèves de 4 à 13 ans et le prince Louis, aujourd'hui âgé de 3 ans, fréquente actuellement la Willcock Nursery. Ainsi, il rejoindra très certainement les bancs de cette institution lorsqu'il sera en âge d'aller à l'école. De plus, celle-ci se situe non loin du palais de Kensington, où le couple royal réside.